Bonsoir. Et non pas monsieur Wilson Pierre. Je dis à nous porter une leçon spéciale. Et il y a un sujet en pile et musicien ou étudiant toujours pose une question sur ça. Maestro, qui sa harmonisation et qui sa harmonie dans la musique parce que thème ça va être problème. Et pour me dire au commencement, il y a un bon thème dans la musique, c'est noyo pi gros que difficile. En prenant par exemple le thème harmonisation, que les sons sont gros dans un mais pas bagage qui est difficile ou bien qui est extraordinaire sans que vous comprenez. Mais par contre, processus pour connaître et topic ça yo, il prend en pile temps. Bon, je dis nous on va parler de harmonie et qui c'est même famille avec harmonisation. Et puis pour nous voir comment nous avons connaissance en 15 minutes seulement. Et l'étape difficile pour nous parler de harmonie et puis pour ne pas parler de intervalle. Et l'étape difficile pour parler de intervalle, pour ne pas parler de accord. Parce que en musique, il y a une note qui a joué pour corde. En par exemple, si on prend do majeur. Le fait que notre yo a joué pour koyo, yo pas accompagné, yo relé ça mélodie. Si ça va remarquer, là on a étudié gamme dans l'autre leçon qu'elle vient pour le faire. D'après gamme, yo c'est en bonne succession de mélodies que yo y. Mais harmonie lui-même, c'est plus qu'un plus que deux ou trois notes qui a joué ensemble, yo relé li harmonie. Mais pour nous introduire dans la leçon harmonie, nous aujourd'hui, hein, avant que nous focus de qui ça harmonie et harmonisation etc. Nous pourrons faire introduction base d'harmonie que nous relais intervalle. Intervalle. Ma avec le terme en anglais et puis ma avec expliqué en français anglais. Intervalle. Qui ça un intervalle lié en musique? En musique, un intervalle c'est distance qui existait entre deux sons. Son yo nous relais aux notes musicales, ok? Qui ça intervalle? Intervalle, c'est la distance qui existe entre deux sons, ou bien qui a dit deux notes. Si nous faisons mathématiques, nous avons dit intervalle, c'est un point X orienté sur un point Y. Ok, c'est ça qui est intervalle. Distance ça qui existe entre deux points, ça yo, c'est l'espace ça qui est l'intervalle. Mais en musique, nous avons différents types d'intervalles. Mais avant de nous entrer dans différents types d'intervalles, nous pouvons commencer par où? Nom des degrés des intervalles. Pas bien de dire intervalle, c'est distance qui existe entre deux sons ou bien deux notes qui ont point X à un point Y. Ok, distance à l'écart séparée de demi-ton, de un ton et demi, etc. Mais dans la musique, il y a un intervalle du côté nom en fonction de qui degré il y a. Il y a un intervalle qui fondé sous premier degré, nous avons l'intervalle ça unisson. Un intervalle qui font des sous premier degré nous relève unisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple non des notes. Exemple non des notes, après do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bon, on va mettre vertical. La, si. So intervalle note ça qui place dans la musique là. Vous parlez des intervalles qui sont relatifs par rapport à eux-mêmes. Par exemple, si vous prenez Do, distance de Do avec Do lui-même, ça veut dire que même Do, ça fait Do dans la guitare. Il fait Do, ça a vibré dans une fréquence que Do n'a pas arrêté. Puis, même ça, le premier Do, je joue. Le premier Do, je touche. Après, n'importe combien de secondes, et pas même Do, ça nous gagne. Puis, nous allons étudier la musique, et puis, nous allons. Puis loin dans la musique, nous allons marquer que ce qu'on appelle overtone, pendant que l'on fait un son, son varié de fréquence. Et puis son parité naturelle en santé. Ok? Bon, c'est pas ça d'habitude, c'est qu'on y a. Mais le fait que Do, ça, entre lui-même, les variés, l'intervalle entre lui-même, non, c'est pas vraiment, il n'est pas bon, c'est parce qu'il est vraiment éloigné, ou bien qu'il est grand, nous relève l'intervalle à unisson. Là, nous disons que le chanteur à unisson, mais ça veut dire que le chanteur à unisson. Il veut dire que tout le monde a chanté dans la même note, mais ça va vous dire tout le monde, tout le code vocal a vibré dans la même fréquence.
Et ça fait que nous venons dire do avec lui-même, yon l'autre à lui-même, nous relèvons ça unisson. So, intervalle qui font des sous premier degré, nous relèvons unisson. Ok. Et intervalle qui font des sous deuxième degré, nous relèvons seconde. Seconde. Intervalle qui font des sous deuxième degré dans la musique, nous relèvons seconde. Si je prends même exemple, do, on va quitter les parties ça là. Si je prends do avec do, ça c'est unisson. Si je prends do avec ré, espace là, j'ai un point X, moi j'ai un point Y, espace là qui c'est ré, c'est lui qui relie intervalle là, qui bat distance. Dans l'intervalle, première note là, indiqué nature intervalle. En disant, si je dis do, ré, première note à do, on va indiquer nature intervalle. Et puis deuxième note, on va indiquer distance intervalle. C'est à partir de ré intervalle prend des sens. Do pourquoi c'est point X, si par un deuxième point, pas gain intervalle, pas contre qui intervalle va faire. So si me dit do et puis me dit ré distance ça, yo elle est seconde, ça fait le seconde parce que intervalle là fondé sous deuxième degré. Maintenant musique nous va regarder comment mesurer distance intervalle dans musique. Pour mesurer distance intervalle en musique, nous allons utiliser ce qu'on appelle ton et demi-ton. Ton, yon ton, et puis demi-ton. Qui ça yon ton yé dans musique? Yon ton c'est distance de 1 degré à un autre. Yon demi-ton c'est une distance de 1 degré à un autre altéré. En par exemple, do, do avec do dièse, ça c'est une distance de demi-ton. Ok, do dièse avec ré, ça c'est une distance de demi-ton. So en tout, si m'a dit do, ré, c'est une distance de un ton. Ça veut dire entre do et ré, gain do dièse. Ok, gain demi-ton, demi-ton, le tout bas un ton. Si par exemple do, demi-ton, guitare tout arrange en demi-ton les mêmes, gain do, demi-ton vient do dièse. On l'autre demi-ton revient ré. Mais par contre, si je n'ai pas besoin de demi-ton, ça me dit do, ré, ça va me un ton. Ok? Léon intervalle, on ton la donne, et nous dit son intervalle majeur. Mais par contre, dans le niveau ça, nous allons étudier l'intervalle là comme ça. Si nous étudions la question de ton, de demi-ton, nous ne pouvons pas le troubler. Nous ne pouvons pas apprendre un bon par cœur pour nous troubler. Nous avons besoin d'étudier l'intervalle là, par contre, pour comprendre qui le majeur, qui le mineur. Bien entendu, nous allons étudier la qualité intervalle tout à l'heure. Mais par contre, nous juste besoin de voir comment l'intervalle est unisson, comment elle est seconde, ainsi de suite. Bon, l'unisson, c'est la même distance entre les mêmes avec tête. Les secondes, c'est la même distance entre les premiers, deux, deuxième degré. D'une dit do, mal ré, ré c'est deuxième degré, et puis les secondes. Par contre, dès qu'à dit ré, avec mi, quel que soit notre point avant, on mélange là, on va juste calculer qui combien de degrés il y a. Pour t'appuyer bien comprendre, bon quitter ça, bon mettre gamme les noms de notes de la musique en l'air pour ta bien comprendre. On dit par exemple que do, ré, mi, fa, sol, la, si. Entre do et ré, on garde ça 1 2 3 4 5 6 7. Entre do et ré, do, ré, intervalle fondé sous deuxième degré, ils sont intervalles de secondes. Entre do et mi, nous avons marqué ce troisième degré, et bien troisième degré, il est tierce. Ça, c'est le terme français. Alors, et en anglais, on appelle ça tonique, ou bien on appelle l'unisson tout, ou bien on appelle ça seconde en anglais, et en français, et bien on appelle ça terre. Si c'est un terme, anglais autour. Intervalle qui font des sous quatrième degré à 1, 2, 3, 4, nous et les lits, 4. Ok? Intervalle qui font des sous quatrième degré dans la musique, là, nous et les lits, 4 dans la musique. Donc là, intervalle qui font des sous deuxième, quatrième degré, les lits, 4 en musique. Et enfin, en anglais, les lits, 4. Donc là, so, intervalle qui font des sous cinquième degré en musique, on les lit quinte. Quinte,
Et en anglais, nous allons dire fifth. So, comment on peut connaître au maestro entre telle note et telle note qui intervalle? J'aime te dire, c'est deuxième note là qui va indiquer qui distance. Si nous avons un exemple, nous allons dire qu'on est distance entre do et fa. So, do c'est le premier point. On dirait qui fait distance, c'est le deuxième point. So, je vais contrôler ma petite do, ré, mi, fa. Le fait que moi, intervalle à fond de sur 4e degré, je vais dire ça un intervalle chord. Ou bien je vais dire fourth en anglais. So, do, fa. Ça a un intervalle de 4. Mais par contre, il y a deux façons pour employer un intervalle. Il y a une façon qui est mélodique. Mélodique, ça veut dire jouer l'intervalle simultané. Et il y a une façon qui est harmonique. Et depuis qu'on parle de harmonique, ça veut dire deux notes jouées en même temps. Mélodique, on dit do, ré, ça se trouve à 2 secondes. Harmonique, on fait lien ensemble, on dit do, et puis ré, ensemble. Ou marcher dans tout instrument quoi que ce soit. Quel que soit l'instrument, le piano, le guitare, quel que soit l'instrument. Seulement l'instrument avant, surtout trompette, sax, etc., qui va jouer deux notes. Il n'y a pas obligé de jouer l'intervalle mélodique. Mais guitare avec piano et certains d'autres instruments qui ont possibilité pour qu'il joue l'intervalle et mélodique ou mieux harmonique. Moi, je joue l'intervalle pour nous payer devant pour montrer nous qui beauté ça gagne dans l'intervalle. Et à partir de l'intervalle, on va aller plus devant, on va bien comprendre l'harmonie parce que on pas qu'à parler de harmonie sans qu'on pas comprendre le concept qui est l'intervalle. Alors bien dit nous, intervalle là qu'à jouer mélodique et qu'à jouer harmonique. Donc là quand do ré ré mi mi fa fa sol sol la, on va faire tout on va faire même intervalle ça tout harmonique, on va faire. Le second majeur là. Ok. So far, nous avons un intervalle de quel? Intervalle qui font des sous 6e degré, nous relèvons l'intervalle de 6th. Et en anglais, c'est même balade et tout, c'est juste mettre en TH. Intervalle qui font des sous 7e degré dans la musique là, nous relèvons l'intervalle de 7e. En anglais, on va aller le 7. Intervalle qui font des sous 8e degré, on va aller octave. Octave. Ça, c'est l'intervalle qui font des sous 8e degré. Les parler d'octave, c'est même de problème de parler dans le son que musique, bien sûr, on appelle registre. Dans le registre, quand j'ai un do, même do qui grave là, quand j'ai un médium, et même do, ça tourne quand j'ai un aigu. So, c'est même doigt qui vibre en quantité de d'hertz, living low. Même doigt qui vibre en quantité de d'hertz encore, living medium. Et puis même note ça tout, l'aigu. So, si je joue do avec lui-même, l'unisson, mais si je joue do dans une octave qui est higher, 8 notes, je compte do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je gagne octave. So, je gagne octave là pour toute note qui est dans l'instrument. Je vais faire le gap do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je vais faire dans l'octave. Ok. Ça, c'est dans l'octave et c'est juste là. Qui a l'âge d'intervalle? Intervalle et do, surtout le parle harmonisé. Et pas bien de dire une fois dans une leçon que l'instrument imitait la voix humaine. Avant l'instrument existait, c'était voix, c'est voix qui était base musique. Mais par contre, l'homme qui a alto, soprano, tenor, c'est voix que placé en intervalle. Telle note, intervalle à telle note, et puis nous mettons ensemble le tout d'une basse harmonie. Mais là, nous besoin de nous comprendre comment intervalle, avant nous jouer, comment yo constituer, comment structure en fait. So, intervalle qui font des sous 9e degré, hein, nous relèvons 9e. Intervalle sous 9e degré, nous relèvons 9e.
De la grande sous deuxième, neuvième, de l'élevé, le neuvième. Ou bien le lit en anglais, nine. So, qui ça qui nine dans la musique? C'est ré à qui deuxième, non, c'est le qui nine. On dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, ça fait sept. Do fait octave et puis ré encore. So, c'est même do, ça, on dit ré, ça a coûté, qui était tout près de dans le deuxième degré, mais par contre, venir à l'autre côté en octave. Après, do, octave, venir do, venir do, octave, et puis venir en ré qui dans l'autre octave. Donc, si vous faites le second, fait do, ré, intervalle. Mais si vous faites intervalle de 9, on fait do, ré dans l'autre octave. Do, ré dans l'autre octave. Donc, so far, si on pas fini de commencer certaines choses, écran la vidéo hein, et puis pose des questions concernant le moins les commentaires m'a répondre. So, en passant, pour ça, il pas suffit dans une grande vidéo. Moi faire vidéo ça juste pour qu'à montrer nous ben nous une idée comment intervalle construit écrit.